Le président de la République face à la représentation nationale à l'hémicycle au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. Patrice Talon livre son discours sur l'état de la nation. Il se conforme ainsi à une exigence de la loi fondamentale béninoise en cette matinée du mardi 29 décembre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 72 de la loi 90-32 du 11 décembre 1990, portant constitution de la République du Bénin, révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, c'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que tout particulièrement je vous accueille avec mes collègues honorables députés à l'Assemblée dans cet hémicycle. L'actuel locataire de la Marina donne ainsi le cinquième consécutif et dernier discours de son quinquennat et le deuxième sous la 8e législature. J'ai fait cette année le choix d'aller au contact de nos mandants pour leur rencontre directement de notre parcours commun durant ces cinq dernières années. En dépit de la pandémie du COVID-19 qui n'a épargné aucun pays, mon sentiment est que le Bénin va plutôt bien. Même si nous devons poursuivre nos efforts en vue de satisfaire l'essentiel de nos besoins de base. Pendant une vingtaine de minutes environ, le premier magistrat du Bénin livre un message bilan de ses différentes actions menées à la tête du Bénin depuis 2016. Que dans tous les domaines, notre pays tient désormais le bon bout. Notre unité, qui nous caractérise depuis fort longtemps déjà, demeure aujourd'hui encore un acquis intangible qui nous permet de préserver la paix et de rétablir très vite notre concorde quand il nous arrive par moment de nous chamailler. Président, il est heureux de constater que nous avons vaincu nos démons et réussi à opérer des réformes difficiles visant à changer nos habitudes. Nous avons réussi à instaurer une gouvernance qualitative des affaires publiques axée sur l'éthique et la responsabilité. Hier, le Bénin en proie à la corruption et à l'impunité endémique s'illustre aujourd'hui dans une lutte implacable contre ces fléaux et le bien public est davantage respecté. C'est une adresse à la nation du chef de l'État qui se tient à quelques mois de la présidentielle de 2021. Le prochain rendez-vous pour éprouver ces nouvelles règles, c'est la présidentielle d'avril 2021, à l'occasion de laquelle je ne doute pas que nos compatriotes auront le choix entre plusieurs projets de société. Ce sera alors la fête de la démocratie, plus que jamais au service du développement durable de notre cher pays. Il apparaît donc clairement que la nation béninoise s'affirme, ose et réalise des prouesses au mérite commun de l'ensemble de notre peuple. Un message rassurant pour les élus du peuple. En cette date, nous pouvons frotter les mains et dit que le bilan, quand même élogieux, on peut le dire. Un discours très dense, d'un contenu clé, apprécié, au moins on sait où on va. Même le social, qui avait été tant été critiqué, aujourd'hui, que ce soit pas le micro qui dit à la FIA, nous avons vu. Et aujourd'hui, les populations y ont accès comme il se doit. Tout ne peut pas se faire en un seul jour. Paris ne se construit, ne s'est pas construit en un seul jour. Le Bénin ne va pas se construire en un seul jour. Mais ce qui a été fait dans les 5 ans là, qui sont entrefaits ce mandat-ci, jamais n'a été fait par le passé. Nous attendons que le moment venu, qu'il se prononce par rapport pour que nous puissions vraiment faire la continuité.
Un message plein d'espoir et d'engagement. Ouais.